Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une live reaction sur le chapitre 309 de My Hero Academia. Donc vous allez vous dire du My Hero Academia sur ta chaîne? Eh bien oui, j'ai fait un post communautaire avant-hier ou hier il me semble. Non, plutôt hier. Et je vous ai demandé si vous étiez chaud pour avoir des vidéos My Hero Academia, notamment des reviews et pas de live reaction. Mais il s'avère que ce chapitre est vraiment bien, du coup voilà, live reaction obligé parce que, voilà quoi, on va dire que la live reaction c'est un bonus en plus de la review My Hero Academia et des vidéos Jujutsu Kaisen qu'il y a à côté. Donc on va commencer le chapitre sans plus attendre. Je ne peux plus me permettre d'être un enfant. Oulala, le titre commence direct. Et mais c'est, alors, Terminal du lycée, ok, c'est Terminal, ok, il y a deux Terminal, Boomerang Man et Monsieur Smith. Ok, on voit quelqu'un qui saute en l'air et l'évader. Et on voit Izuku avec Muscular. Ah là là, d'ailleurs, on s'était laissé sur un Izuku qui a mis une grosse patate dans Muscular lors du dernier chapitre. C'était vraiment stylé. J'ai pas eu le temps de lui dire merci. C'est pas comme si on voulait vous voir mourir à côté de nous non plus. Et là, t'as les gens qui s'entraident et qui ramènent les blessés, visiblement. Ah non, il ramène juste un sort de lit. On se charge de lui, jeune fille. Tu ne peux pas le porter seul, respecter nos limites et nous coopérons avec vous. Et il se réveille visiblement, ce gamin, mais il avait complètement changé, c'était vraiment lui. Ah, il se rappelle, ah oui, voilà, ce gamin, on aurait dit celui d'examen, non, désolé, j'avais pas vu le... Ok, donc ouais, il se rappelle de lui. Et ouais, il y a clairement eu un changement, hein, Izuku. C'est plus du tout le même, clairement, c'est plus du tout le même. Commissariat de police... Diana, ok. Altola, annoncez la raison de votre venue. Vous avez une Maiden sous le coude. Maiden, ok. Ce type, c'est l'évadé. Ok, du coup, je suppose que c'est Izuku. Ouais, c'est Izuku. Et il repart directement. Ah non, mais il est stylé, hein. Oh là là. Voilà qui marque notre quatrième capture. J'arrive, All Might. Oh, oh. Attendez, il est encore en contact avec... Parce qu'il y a pas... Il y a... Bah, ce matin même, en fait, je disais à des amis que c'était relou un peu parce que, bah... Moi, je voulais voir les réactions de All Might et de Bakugo après la on va dire... J'allais dire pas la fuite, mais après le départ d'Izuku, en fait. Et en fait, là, visiblement, il travaille avec All Might. C'est... C'est intéressant. Ok, mais sinon, ouais, il est... Regardez-moi comment il est stylé, Izuku, quand même. Genre là, on peut que la... Mais tu sais ce qui... C'est le masque, hein. C'est le masque qui fait ça. Le masque et la cape et un peu les vêtements déchirés, hein. Mais ouais, le masque d'Izuku, moi je l'ai toujours kiffé. Et je comprenais pas pourquoi il le mettait pas vraiment. Mais là, franchement, il fait vraiment super héros. Là, vraiment, c'est vraiment cool. Et ouais, il est vraiment super stylé maintenant. Ok, ils sont dans une ruelle sombre. All Might avec des lunettes de soleil, c'est drôle. Et Izuku qui arrive, ça va, pas blessé. Je n'ai rien. Et tes bras en parfait état grâce à vous. L'objet de soutien est arrivé juste avant l'interdiction de voyager. Juste avant que l'interdiction de voyager ne soit mise en place, les Mid Gauntlets, ok, les Mid Gauntlets sont là pour stabiliser mon pouvoir. Quand je les porte, je ne sens rien du tout. C'est vrai, puisque on s'en rend pas compte, mais il avait littéralement quasi, enfin, non, même pas, ouais, il avait littéralement perdu l'usage de ses bras, hein, face au combat contre Shigaraki. Et là, du coup, il peut les réutiliser. Du coup, au final, il a pas tant perdu que ça l'usage de ses bras, mais ok, du coup, il utilise un gadget, c'est cool ça. Je te rappelle que ce n'est qu'un prototype. Ils sont là pour soutenir ton bras entier et diminuer la fatigue, mais ils sont loin de pouvoir supporter ton pouvoir à 100%. Fais bien attention à ne pas te mettre HS avant la confrontation finale. Pff, ça parle de confrontation finale déjà. Oh lolo, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Pourquoi vous nous parlez de confrontation maintenant? Tout ce qui est en mon pouvoir, à vos ordres. Oh lolo. La cavalerie est là. Ah, ça, c'est la sonnerie d'All Might. Il a utilisé un objet de soutien similaire durant son âge d'argent. Mm-hmm. Et là, il répond « Allô, All Might ?» Ok, j'ai cru que c'était lui, mais non. Enfin, je pensais que c'était Izuku qui avait appelé le match. Mais il est juste à côté, non? Ouais, il se débrouille comment, le petit Midoriya? Oh, on a Twice, le retour de Twice, c'est cool. Il demande de... Attendez, c'est... Ah non, ok, pendant un instant, j'ai cru que c'était Bakugo, mais... Shoto en bas, mais non, c'est Mr. Jeans et Endeavor, du coup. Ok, du coup, non, franchement, c'est cool, là, de les revoir, et... ouais, ça demande des nouvelles de Midoriya. Il se débrouille bien, il vient tout juste de... Ah, bah non, il est parti. Désolé, Imad, il faut que je file, et il est reparti. J'ai l'impression que vous le protégez un peu trop. Je sais que vous faites de votre mieux pour que personne... personne dans votre entourage ne soit affecté par tout ça. Prendre ces mesures pour garder le secret
Tout ça, c'est bien, mais celui qui a mené la sauce sur le tartare cache un énorme atout dans sa manche. Le tartare, ça me fera toujours. Hein. Les risques de vous faire attraper sont très élevés parce que vous restez entre vous. Je sais que les temps sont durs pour vous, mais je vous demande de travailler en coopération avec nous. Avec l'aide de Recovery Girl, la majorité des patients ont été soignés et sont repartis. Midoriya, lui, passe encore du temps avec son unique amour, le lit d'hôpital. Aïe, aïe, aïe. On t'avait dit la dernière fois que si tu te blessais à nouveau, le contre-coup te paralyserait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Heureusement. C'est quoi ces médecins sérieux? Ils sont dégueulasses. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Avant, tu causais des dégâts. Ah, ok, donc attendez, je viens de capter, mais attendez, attendez, attendez. Avant, tu te causais des dégâts dans ton corps de manière interne, sauf que cette fois, la plupart de tes dégâts venaient de l'extérieur. Ah, ok. Oh, mais du coup, en vrai, c'est. Ok, bah, ça change tout, du coup, puisque ouais, si c'est plus interne et que c'est externe, bah, l'externe, j'ai envie de dire, à la limite, c'est pas grave. Peut-être que esthétiquement, ça va pas être très beau, mais qu'il aura beaucoup de cicatrices et tout, mais c'est pas grave, c'est qu'un détail. Pour encore utiliser l'usage de ses bras, alors que si c'est interne. Bah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chaud, quoi. De plus, peut-être que c'est un effet secondaire de ton alter, mais ta structure interne semble avoir été protégée, évitant de se faire pulvériser de l'extérieur. J'allais vous en parler d'ailleurs, ça, mais je me suis dit, mais attendez, ça se trouve, il a un alter qui lui permet de le soigner, Izuku, et ce serait très, très pratique en vrai pour lui. Parce que Shigaraki, lui, ben, il peut se régénérer très vite. Et Izuku, bah lui, non, du coup, en vrai, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un alter qui lui permette de se régénérer et tout, et que justement, peut-être c'est grâce à ça que bah, les dégâts ont été minimisés. Ok, donc, les blessures que tu as subies et ton anatomie ont complètement changé. Aïe, aïe, et regardez-moi toutes les cicatrices qu'il a. Et vraiment, Izuku, il est énervé. Hein. Tout de même, tu vas devoir éviter les blessures à l'avenir. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer l'alter de Deku? Oh, ça va être chaud par contre. J'espère que ça te convient comme ça, jeune Midoriya. Et là, visiblement, quoi, ils l'ont expliqué. Et c'est pour ça que cet alter ne peut être transféré qu'à une personne sous alter. Mais à cause de cette particularité, des criminels cherchent à se l'approprier. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous sommes. Attendez, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous sommes prêts à le protéger à Yue. Je ne retournerai pas à Yue. Oh là là, Izuku, Izuku, ça y est, il commence à. Putain, c'est tellement bien là, Izuku, il commence à. Bah, à s'assumer clairement et il commence à prendre des décisions, ça y est. Jeune Midoriya, je vois son choix est fait. Et là, oh non, oh, c'est triste par contre ça de voir la daronne en larmes et tout. Izuku, Shigaraki, il peut me localiser à tout moment, même maintenant. Ça ne serait pas si surprenant qu'il lance une attaque. Je ne veux plus voir. Je ne veux plus voir. Désolé, attendez. Je ne veux plus voir personne être blessé. Oh là 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 là. Les blessés qu'il y a eu en vrai durant cet arc. Si Shigaraki atteint sa forme parfaite plus tôt que prévu, la situation sera bien bien pire qu'elle ne l'est maintenant. Je dois les arrêter, lui et All For One, avant que ça n'arrive. Oh, purée, mais ça me fait mal de voir la mère d'Izuku comme ça. Mais tu es encore alité. Comment vas-tu? Je deviendrai plus fort. J'avais dit que je te faisais confiance, mais là c'est trop, je n'approuve pas ça. Ce n'est pas si c'est ton seul plan. Il a Izuku qui sourit. Oh, il prend la main de sa mère. J'étais si heureuse pour toi. Je jouais avec toi et j'étais heureuse à l'époque, mais aujourd'hui. Et là, il y a un petit flashback. Au secours, à Kame. Oh non, mais c'est trop triste. Tu m'as sauvé, Izuku Might. Oh non, mais là. Ah, je vous avoue, j'ai presque les larmes aux yeux. Ah non, mais non, si, j'ai les larmes aux yeux, là, ça y est. Non, ce genre de. Ah non, mais attendez. C'est pour ça que je dois partir pour qu'Izuku Might sauve plus de gens. Mais. Oh non, mais c'est trop triste. Mais jamais. Mais ne t'en fais pas, je reviendrai. Ah non, mais moi, vous savez que c'est ce genre de cas, ce genre de bail, ça me touche énormément. Moi, tout ce qui est familial et tout, vraiment. Bah, ça me fait un truc au cœur. Ah bah, notamment lors de ma live reaction sur My Hero Academia, j'étais à deux doigts d'avoir les larmes aux yeux par rapport à une chose. J'ai dit à My Hero Academia, désolé, à Jujutsu Kaisen, pour une case toute bête, hein, mais j'étais à deux doigts d'avoir les larmes aux yeux, et puis, ah non, là, clairement, je vous avoue que les larmes aux yeux sont montées, hein.
Ah non, mais ça fait. Il... Oh non, mais c'est incroyable, c'est triste, c'est triste. Enfin, c'est triste et c'est beau parce que regardez là, Izuku, il était là sans haltère et tout, et maintenant il a un haltère, et puis oh, regarde, il a tellement évolué, il a tellement évolué. À l'époque, c'était le pleurnichard qui faisait que pleurer. Là, ça aurait été l'Izuku de l'époque. Avec l'haltère d'All Might, hein, mais sans les événements qu'il y a eu là, lors du dernier arc, bah, là, il se serait mis à pleurer. Alors que là, bah non, c'est plus lui qui pleure. Il rassure en fait. Maintenant, il rassure les gens. Oh, c'est tellement mignon, c'est tellement beau. Et là, All Might qui. Ça lui fait un choc, mais oui, mais. Oh, oh là là, quoi que je. Mais ils vont me faire pleurer. Quoi que je te dise, tu partiras. C'est pourquoi, que ça te plaise ou non, je vais. Tu viens avec nous. Non, monsieur. Je vais dire, ok, je me demande si c'est une bonne idée. Pardonnez mon langage, mais. Mais on utilise déjà des coups pour appâter Shigaraki. Je me demandais à quel point ce serait efficace. Nous nous assurerons certes d'être toujours dans le coin pour pouvoir intervenir rapidement au moment voulu. Tu fais quoi avec ton tel? J'avoue, il fait quoi avec son tel? Ah, il est en train de se coiffer. Oh là là. C'est vrai, elle pleurait dans l'autre monde. Oh là là, il doit parler de Nanashimura. Au moins, je ne suis pas encore mort. Je ne peux pas encore te rejoindre, Nana. Quant à toi, gamin, ne t'entête pas trop à vouloir te venger de Shigaraki. La mort peut également être une forme de salut. Ne l'oublie jamais. Et voilà. Avec cette phrase, c'est comme ça qu'il va libérer Shigaraki. Izuku va tuer Shigaraki malgré lui. Et ça, en fait, ça va être le seul moyen de libérer Shigaraki. Ça, c'est pas pour rien que Gran Torino dit ça. Par contre, Gran Torino qui est encore en vie, je trouve ça vraiment moyen parce que, n'oublions pas qu'il avait un énorme trou dans son ventre. Et là, à notre tour de renvoyer la politesse à la Ligue des Vilains. Oh, Deku et All Might, top 3 team-up. Pouf, oh là 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 là. Attendez, top 3 team-up. Ok, oui, je viens de comprendre. J'ai cru que c'était passé numéro 3 des héros, Izuku, mais non. Oh non, c'est... Oh, ce chapitre! Ce chapitre! Il est poignant, ok. Ah non, ouais, non, ce chapitre-là... Ah, il fait quelque chose. Là, c'est beau parce que. Oh, mais j'ai hâte de vous faire la review pour ce chapitre, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, mais clairement, Izuku n'est plus du tout le même. Il a évolué. Et c'est devenu quelqu'un sur qui on peut réellement compter. Parce qu'à l'époque, on pouvait compter sur lui, mais il y avait toujours un risque, on n'était toujours pas sûr. Alors que maintenant, bah. Ça y est, il a changé, il a évolué. Et puis, bah, regardez, il a one shot Muscular. On s'attendait tous à un match retour Muscular des coups en mode ouais, il va y avoir de la baston et tout, mais c'était même pas un match retour. On peut pas appeler ça un match retour parce qu'Izuku l'a one shot, c'est plus du tout le même. Izuku a changé. Oh là 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 là, mais c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. C'est ouf, j'ai hâte de vous faire la review. Je vais reprendre le chapitre à froid avec du recul. Vous allez avoir une bonne petite review. J'ai vraiment hâte de tourner ça et vraiment, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Et puis, normalement, la semaine prochaine, il n'y a pas de pause. Du coup, ça, c'est cool. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!